Bienvenue, nous avons le terme d'une suite U de 2024 à calculer dans cette vidéo avec UN qui est une suite définie dans N étoiles telle que U1 égale 2025 et pour tout N supérieur ou égal à 1, on a la somme K allant de 1 jusqu'à N de UK qui est égal à U1 plus U2 jusqu'à UN est égal à N au carré multiplié par UN. Et donc pour calculer le U de 2024, il va nous falloir l'expression de la suite UDN. Et pour déterminer l'expression de la suite UDN, nous allons utiliser les informations qu'on a, c'est-à-dire le U1 et la somme qu'on nous a donnée ici pour essayer d'expliciter l'expression de la suite UDN. Pour ce faire, comme nous avons le terme U1, donc on a U1 qui est égal à 2025, on va essayer de calculer progressivement U2 et U3 pour voir quelle est la conjecture qui va se dessiner. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos qu'on va faire ici dans cette chaîne. Pour calculer maintenant U2, donc on va faire U2, c'est-à-dire l'indice N égale 2. Et dans ce cas, on aura U2 plus U11, c'est-à-dire on va partir uniquement d'ici. Il sera égal dans ce cas à N au carré, c'est-à-dire 2. Au carré multiplié par U2, puisque ici on a donc cette somme on pourra l'écrire d'une autre manière, c'est-à-dire que la somme k allant de 1 jusqu'à n d UK est égale à N au carré un, c'est-à-dire que notre UN est égal à 1 sur n au carré multiplié par la somme k allant de 1 jusqu'à n de d uk. Maintenant ici ce qu'on va faire, on va essayer d'expliciter l'expression U2. Donc là, on sait que c'est égal à 4 multiplié par U2. Et comme ici, on a un U2 et qu'on connaît le terme U1, donc ce qu'on va faire, nous allons dire ceci en train que U1 est égal à 4U2 moins U2 qui est égal à 3U2. Ainsi, U2 n'est rien d'autre que 1 tiers de U1. Donc on a la valeur de U2. Donc on peut l'écrire ici U2 est égal à U1 divisé par 3. Donc c'est égal à 2025 divisé par 3. On va essayer aussi de calculer le terme U3 pour N égale 3. Donc pour N égale 3, deux points. On a U1 plus U2 plus U3 est égal à 3 au carré multiplié par... U3. Donc on va toujours utiliser cette expression. Donc U1 plus U2 plus U3. Là, on s'est limité à 3. Donc le n est égal à 3. On aura ici un 3 au carré multiplié par U3. Ainsi, donc là, on sait que 3 au carré est égal à 9 U3. Comme on connaît U1 et U2, on va transposer le U3. Donc ceci nous dit que U1 plus U2 est égal à 9 moins 1 qui est égal à 8. U3. Or, on sait que U2 est égal à U3 divisé par 3. Ainsi, on aura 8 U3. C'est égal à U1 plus la valeur de U2 qu'on a calculée ici, qui est égal à U1 sur 3, donc U1 divisé par 3. Et là, en faisant la réduction en même dénominateur, on aura 3 U3 U1 plus U1 qui va nous donner un 4 sur 3 U1. Et en divisant par 8 ainsi, donc on aura U3 qui sera égal à 4 sur 3 multiplié par 1 sur 8 fois u1, puisqu'on va diviser par 8 partout. Et donc là, ce résultat va nous donner en 2. Donc on aura U3, il sera égal à 1 divisé par 3 multiplié par 1 demi, c'est-à-dire 3 fois 2, qui sera égal à 1 sixième de U1. Ainsi, on peut dire que U3 est égal à U1 divisé par 6. Donc là, j'ai un peu détaillé les calculs pour qu'on puisse voir le chemin ou bien le procédé qu'on utilise pour le trouver. Maintenant, comment on va faire pour essayer de dessiner la conjecture qui va se dessiner Donc là, qu'est-ce qu'on remarque Ici, on a calculé U2. Donc pour cette expression, je vais ici utiliser donc ces guillemets. Donc là, on a U2 qui est égal à U1 divisé par 3. Et là, qu'est-ce qu'on remarque On remarque qu'ici, qu on a un 2 et là, on a un 3. Or, on sait que 3 est égal à donc 1 plus 2. Là, on s'est limité à 2. Donc, le terme qu'on a calculé ici, on s'est limité à 2. On va regarder aussi le cas pour U3. Donc, on a U3 qui est égal à U1 divisé par 6. Or, on sait que 6 est égal à 1 plus 2 plus 3. C'est-à-dire que le terme de la suite qu'on a calculé ici, la somme va se limiter en partant de 1 jusqu'à 3 ici. Donc la conjecture maintenant qui va se dessiner pour notre suite U de N, donc cette conjecture semble être on a Un, c'est égal à U1, divisé par la somme 1, plus 2, plus 3, plus, plus jusqu'à N. Donc on peut le voir ici pour U2, ici on a U2, qui est égal à U1 divisé par 1 plus 2. On s'est arrêté à 2. U3 qui est égal à U1 divisé par 1 plus 2 plus 3. Donc on s'est arrêté à 3. Donc cette conjecture semble être ainsi. Maintenant, on ne va pas se limiter uniquement à cette affirmation puisqu'on a juste fait une supposition, mais on ne sait pas si par exemple si on calcule I, U10 ou bien U12, on va... On va trouver le même résultat ou bien la même conjoncture. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de démontrer cette affirmation par récurrence. Et pour démontrer cette proposition, donc on peut l'appeler P de n. Donc pour démontrer cette proposition par récurrence, on va vérifier les trois étapes qu'on nous a en fait appris, qu'on a appris au niveau du cours pour la méthode de récurrence. Donc on va vérifier pour n égale 1, on aura U1. Qui est égal à U1 sur 1. Là, on va se limiter à 1. Et donc, on sait que U1 égale, égale U1. Là, c'est vrai. Donc, ici, on a cette proportion est vraie au rang n égale 1. Puisque c'est vrai au rang n égale 1, la deuxième étape de récurrence, maintenant, on va supposer. Donc, on va dire supposons. Là, on va profiter pour reviser un peu la récurrence. Supposons pour n fixé dans grand N étoile et N supérieur ou égal à 1, donc on dépasse la, en fait, ce rang 1. Donc là, c'est extrêmement important, il faut dire pour N fixé dans grand N étoile. On ne peut pas dire pour tout N dans grand N étoile. Si on dit pour tout N dans grand, dans grand N étoile, on n'a plus besoin de démontrer cette proposition. Puisqu'on a dit pour tout n. Maintenant, on va supposer pour n fixé dans grand n, on a un qui est égal à un divisé par la somme 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n qui n'est rien d'autre que un. Un, du coup, divisé par, on sait que cette somme-là, nous, on le connaît parfaitement, c'est n facteur de n plus 1 divisé par 2. Et ce résultat va nous donner 2. 1 divisé par n facteur de n plus 1, donc là c'est uniquement le résultat de la somme que j'ai écrit ici. Et comme on a la division de deux fractions, on prend la première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième fraction, d'où on aura ce résultat. Donc on a fixé pour n appartenant à grand n pour n fixé dans grand n étoile et que c'est n là supérieur ou égal à 1, on a supposé cela. Maintenant on doit démontrer, donc la troisième maintenant. Partie de la récurrence on va dire démontrons maintenant démontrons que u n plus 1 est égal à 2 u1 divisé par n plus 1 facteur de n plus 2 donc là on va juste remplacer la valeur de n par n plus 1 ici on va prendre n plus 1 et là ça sera n plus 1 plus 1 vu qu'en fait, on a pris pour n égale n plus 1, et là, ça va nous donner un n plus 2. Donc, c'est ce qu'on doit démontrer au rang n plus 1. C'est ce qu'on appelle le rang ici, n plus 1, en quelque sorte. Et pour démontrer cela maintenant au rang n plus 1, on va utiliser l'expression qu'on nous a donnée ici à l'introduction de cet exercice, c'est-à-dire cette somme. Donc, on sait que la somme k allant de 1 jusqu'à n du k, qui est égal à u1 plus u2 plus jusqu'à un, c'est égal à n au carré un. Ceci nous dit que notre un, comme je l'ai écrit tout à l'heure, est égal à 1 sur n au carré, la somme k allant de 1 jusqu'à n du k. Maintenant, on va essayer de calculer l'expression de un plus 1, encore une fois, pour démontrer... La, au rang n plus 1 d'une relation de récurrence, on va expliciter la, le terme un plus 1 et maintenant essayer d'utiliser l'hypothèse de récurrence qu'on a supposée pour montrer, pour, au fait pour montrer le, le terme au rang n plus 1. Mais on ne peut pas partir de cette hypothèse de récurrence pour déterminer cela. Sinon, c'est comme si au fait, on n'a absolument rien fait, parce que là, si on part de n au fait de l'expression de UN pour écrire un plus 1, on ne pourra pas montrer cela. Donc, si on veut aussi, on peut l'écrire de cette manière, c'est-à-dire un au carré qui est égal à la somme k allant de, k allant de 1 jusqu'à n du k. Ainsi, en calculant le un plus 1, donc on aura n plus 1 au carré un plus 1 égale la somme k allant de 1 jusqu'à n maintenant plus 1 du k. C'est-à-dire que la somme, au lieu de s'arrêter ici à n, on va ajouter ici en terme n plus 1. Donc le k, il va aller jusqu'à n plus 1. Or, ce, ce terme, on sait que c'est la somme k allant de 1 jusqu'à n de uk, plus maintenant un plus 1. C'est comme si j'ai u1 plus u2 plus u3 jusqu'à plus un plus un plus 1. Et là, j'ai considéré uniquement le terme, le fait la somme de un à un comme étant la somme k allant de 1 jusqu'à n, plus maintenant, il va me rester ce terme-là, un plus 1. Maintenant, ce que je vais faire, je vais transposer le un plus 1 de l'autre membre de l'égalité. Donc j'ai n plus 1 au carré un plus 1 moins un plus 1. Il sera égal à la somme k allant de 1 jusqu'à n de uk et donc ici il y a des choses qui se dessinent donc on sait que ce terme donc le terme qu'on a ici ce n'est rien d'autre que donc ici ce qu'on a c'est à dire que le terme un qui va se défiler et ainsi pour se débarrasser donc de ce terme la somme k on de 1 jusqu'à un on peut le remplacer par sa valeur qui sera égale à n au carré un et maintenant on va essayer de faire la transformation à ce niveau vu que Ici, l'hypothèse de récurrence nous a donné une expression de U et de N qu'on va utiliser après, mais on va essayer d'abord de, trans de transformer cette expression-là. Donc là, ce qu'on va faire, on va factoriser par Un plus 1. Donc on aura N plus 1, le tout au carré, moins 1, en crochet. Et là, on a notre Un plus 1 qui est égal à N au carré Un. Donc ici, la transformation qu'on va faire, il suffit simplement d'utiliser les identités remarquables. Donc on aura N plus 1 moins 1 facteur de n plus 1 plus 1 le tout multiplié par un plus 1. On peut mettre les crochets si on veut, qui est toujours égal à n au carré un. Donc là, on sait qu'on a une simplification, donc il va nous rester un n facteur de n plus 2, u n plus 1, qui est égal à n au carré u de n. Ainsi, l'expression de U de n plus 1, on peut maintenant l'expliciter, donc on aura U de n plus 1 en partant d'ici, il sera égal à n au carré divisé par n facteur de n plus 2 multiplié par u de n. C'est-à-dire que n au carré u de n divisé par ce terme, donc le terme courant ici, en quelque sorte. Et là, on va, on pourra remplacer par la, par la valeur de u de n qu'on a ici, donc la valeur de u de n qu'on nous a donnée par la relation de recurrence. Donc, on aura ici n au, le n au carré, on peut le simplifier si on veut, donc on aura n divisé par n plus 2 multiplié par la valeur de u de n, on sait que c'est égal à 2u1 sur n facteur de n plus 1. Donc, qui est égal à 2u1 sur n facteur de n plus 1. Et là, donc là, c'est plus 1. Ici on a aussi la simplification des n et donc là ça va me donner 2u1 sur n plus 1 facteur de n plus 2 qui est égal à u de n plus 1 ce qu'on devrait démontrer donc là c'est l'hypothèse en fait, c'est ce qu'on devrait démontrer ici donc on a u de n plus 1 qui est égal à 2u1 sur n plus 1 facteur de n plus 2 et là c'est gagné donc on a démontré que P de N est vrai, la proportion est vraie au rang N plus 1. Ainsi, la conclusion sera alors, donc on va dire, pour tout N appartenant à grand N étoile, alors P de N est, est vrai, c'est-à-dire que U de N. Il n'est rien d'autre que U de U1 sur N facteur de N plus 1. Donc là, on a déjà le droit de l'écrire, puisqu'on on l'a démontré par récurrence. On pourra être content pour l'encadrer. Et dans ce cas, maintenant, on pourra calculer la valeur de U de 2024. Ainsi, U de 2024, il sera égal à 2 multiplié par U1 divisé par n égale 2024, donc ici on aura aussi 2024, multiplié par n plus 1, c'est-à-dire 2024 plus 1, qui est égal à 2000, 2025. Or, on sait que u de 1, l'exercice nous avait dit que, donc le, le terme u de 1 est égal à 2025, donc on va le remplacer ici par sa valeur, donc on aura 2 multiplié par 2025, divisé par 2025, 24 multiplié par 2025. Là, en simplifiant par 2025, on aura 2 sur 2024 qui n'est rien d'autre que 1 divisé par 10, 12. Ainsi, U de 2024, donc c'est égal à 1 sur 10, 12, ce qu'on nous a demandé de montrer. Donc ici pour l'exercice pour faire un résumé, on avait une expression de U de n qui a été définie à travers d'une somme, donc ici, à travers la somme des premiers termes, des n premiers termes, et qui est égale à n au carré multiplié par l'expression de U de n. Sauf que on n'avait pas tous les termes donc, de notre suite. Et vu qu'on ne on pouvait pas avoir tous les termes de notre suite, donc on ne pourrait pas calculer l'expression d'un terme donné, c'est-à-dire que U 2 2024 ou U de 2025 ou même U de 12, on ne pouvait pas le calculer. Et là, pour le calculer, donc, il fallait déterminer une expression explicite de la suite U n ici, qu'on a donc euh, identifié là, mais vu on a seulement identifié pour trois rangs, on ne pouvait pas l'affirmer que c'est vrai pour tous les rangs. Et pour affirmer, donc pour donner cette affirmation-là de cette conjecture qu'on a explicitée, il va falloir maintenant le montrer par récurrence, donc ce qu'on a fait ici, le montrer par récurrence, pour pouvoir maintenant calculer l'expression de tous les termes de notre suite UDN. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MatPSW. On reviendra dans d'autres vidéos sur les suites pour regarder d'autres types d'exercices.